Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis explosée, j'ai dormi avant d'aller au stade, erreur à ne pas faire. Ne faites jamais ça, une petite sieste avant d'aller au stade, c'est pas bon du tout. Là je suis fatiguée du coup, mais sinon ça va. Aujourd'hui on joue Clermont, aujourd'hui ça va être incroyable. Je suis trop contente parce que Jonathan Clauss est sélectionné en équipe de France. Putain, Deschamps a enfin ouvert les yeux. Il a dit en plus qu'il aurait pu le prendre la dernière fois. Bah. Il l'a pas pris alors parce que franchement Dubois j'en avais trop marre, je le trouve pas au niveau pour l'équipe de France. Clauss, je suis trop contente, en plus Alonso il représente bien le club, je suis trop fière, franchement trop bien, trop, ça va être incroyable au stade. En plus il y a les Wolves, je bouge trop là, en plus il y a les Wolves qui font un tifo pour leur anniversaire aussi, et enfin ça va être incroyable, j'espère qu'on va gagner. Parce que ça fait longtemps, je crois que j'ai pas fait de vlog où on gagnait. Et il faut regagner quelques places au classement là. L'Europe n'est pas visée, mais si on peut y aller, ça serait super bien. C'est dommage, ça serait dommage de perdre des points sur des matchs comme ça. J'espère qu'on va gagner. Et je vous dis, on se retrouve au stade à tout à l'heure. Ça va être le feu. C'est bon, on est bien arrivé. Je vous emmène avec moi ou pas? Parce que je vous emmène tout le temps, mais vous, vous m'emmenez pas. Hein. Allez, je vous emmène. C'est trop magnifique. J'adore venir ici. Trop bien. J'espère qu'on va gagner. On arrivait tellement tôt qu'on voit les joueurs faire la reconnaissance pelouse aujourd'hui. Oh là, petit costard, petit polo. Après, on les verra en survêtement. Bon, il reste une heure, en vrai c'est un petit peu long d'attendre, mais bon, au moins on est placé tout le temps quoi. J'ai hâte que ça commence, en plus on a le soleil dans la gueule, tout le temps de la cour on a le soleil dans la gueule. Le petit prince de la Gaillette, David Pereira.
n'importe quoi. Il y en a, ils viennent se mettre une balayette à classe. J'espère qu'ils vont pas le blesser avant qu'ils jouent avec l'équipe de France. Putain, ils vont me blesser classe, c'est pas possible. J'espère qu'il n'y a rien. En vrai, j'avais pas trop vu parce qu'il y a le steward devant moi, mais j'espère qu'il n'y aura rien. Danseau! Je vois l'île! Danseau! Le dernier
fête à la fin du mois de mars. C'est incroyable. S'il n'y a pas trop de monde, on va essayer d'aller attendre les joueurs à la sortie. Mais il y a l'air d'avoir du monde qui va dans cette direction. Donc on verra bien. Je ne sais pas si j'arriverai à aller voir parce qu'il y a un peu beaucoup de monde. Ils vont pas s'arrêter pour tout le monde, c'est sûr. Je voulais juste voir Aïdara pour faire signer mon maillot. Moi, je pense que je vais plutôt aller à la Gaillette, moi, parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde, je vais un peu abandonner les autres joueurs. Juste dès qu'il y a Aïdara, je fonce. Parce que bah, c'est un peu lui que je veux voir en principal. Mais il faut que je le voie. C'est bon, j'ai changé de rue, ça a l'air un peu plus accessible. Du coup, je vais essayer d'avoir ça des Kakuta pour l'instant. Bon bah, mission échouée, j'aurais pas vu Masaju Aïdara pour faire signer mon maillot. Du coup, je pense que j'irai à une sortie d'entraînement dès que j'ai plus cours. Là, il y a encore Jonathan Kloss là-bas. Lui, j'ai réussi à l'avoir, j'ai pris une photo avec lui. Il s'est arrêté pour tout le monde, franchement. Bah après, je pense que c'est normal, tout le monde l'a attendu. C'est tout le temps le dernier qui sort. L'ambiance au stade elle est incroyable, on a fait un match incroyable. Je pense que le débrief je vais le faire maintenant, j'ai pas grand chose à dire à part c'était le but de Sotoka magnifique aussi, putain. Il attend, c'est fait exprès mais il pensait même lui pas la mettre, alors franchement c'est vraiment incroyable, je vais me casser la gueule. Je les sens là. En tout cas je suis trop contente d'avoir vu certains joueurs. Et je les ai plus pris, j'ai plus pris Swan en photo avec eux, moi j'ai fait une photo avec Saïd et Kloss. Et moi j'espère que le prochain match on va être aussi fort et encore gagner, ça fait super plaisir, plus 3 points, franchement incroyable l'ambiance à la fin du match, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, je vous l'ai déjà dit mais je le redis, c'est incroyable. J'espère que le vlog vous aura plu, que le vlog vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, commentaire comme d'habitude, vous abonner, ça fait plaisir et on se dit au prochain match. Après match, regardez comment ils recyclent les boîtes de nuggets. C'est n'importe quoi. Bon, c'est la première fois que je vais goûter un cookie à McDo. J'ai regardé les vidéos de PJ Valouz. J'espère que c'est vraiment bon. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pépites dessus. C'est bizarre. Bof. Bof. Enfin rentrer, c'était trop bien. Je retrouve une ambiance de bollard comme... Enfin, en vrai, je dis pas qu'il n'y avait pas d'ambiance au dernier match, mais moins que ce que j'avais déjà connu. Genre là, c'était vraiment incroyable du début à la fin. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? En tout cas, je retiens que les cookies à McDo ne vaut pas le coup. Après, peut-être qu'il y en a qui aiment bien, mais... J'aime bien les cookies, mais celui-là, j'ai pas trop aimé à McDo. En tout cas, je sais plus si je vous avais fait une vidéo où je vous avais dit c'est la fin de la vidéo, nanana. Du coup, je la refais là, parce que j'ai encore des trucs à rajouter. En tout cas, je suis trop contente que Masaju Aïdara a marqué parce que bah, c'est mon joueur préféré, vous le savez, je pense, je t'ai déjà dit. C'était incroyable, le match c'était pour Jonathan Kloss, celui-là, il y a eu beaucoup de chants pour lui, enfin c'était le même mais on l'a chanté beaucoup de fois. Dites-moi dans les commentaires c'est lequel votre chant préféré. Moi je crois que ça va devenir le « Qu'est-ce que vous chantez ?» et nous chantons en salé avec tout le stade. C'est incroyable parce qu'ils font d'abord, ils demandent à la de la cour, à la trana et après ils demandent à Le Pagnot et même là Le Pagnot elle suit. C'est incroyable quand il y a tout le stade qui participe comme ça, c'est magnifique et je crois que c'est un de mes préférés celui-là et c'est incroyable. Aujourd'hui j'ai croisé beaucoup plus d'abonnés que d'habitude. Bon je vais pas faire la star à dire il y en a 100 qui m'ont reconnu, non une dizaine, mais comparé à d'habitude c'est plus du... Ça m'a fait trop plaisir franchement. Si vous voulez venir me voir au stade franchement n'hésitez pas, ça me fait trop plaisir. Que j'ai fait le tour, je suis fatiguée là. Je suis contente d'avoir vu certains joueurs à la sortie. Je suis un peu déçue de pas avoir vu Aïdara, mais ça comme je l'ai dit j'essaierai d'aller à une sortie d'entraînement. On n'oublie pas le petit pull tribune quand il fait froid au stade. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Petit pouce bleu, abonnement, commentaire. Merci d'avoir suivi. Ciao. Non, avant de finir, j'ai encore un petit truc à dire. Avec l'ongle la vidéo là, non, j'arrête pas de parler là. Grosse dédicace, j'allais dire petite, mais grosse dédicace quand même à Christian qui monte ma vidéo. Parce qu'il est supporter de Clermont. Et du coup, ça doit lui faire trop mal au cœur de monter cette vidéo. Du coup, bah, une grosse dédicace à lui. Chère.